tout le monde, voici Champion MCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok, cliquez. Comme que vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, je lance un défi. Je lance un défi de quoi et à qui? Je lance un défi sur un jeu. Bien évidemment, c'est les jeux, ça fait partie de ma chaîne, on s'entend? Mais maintenant, à qui? Je lance le défi à 3 personnes, mais en particulier une. Les 3 personnes ont plus de 1000 abonnés par contre, je vous le dis tout de suite. Mais la première personne n'est pas un youtubeur de multigaming. C'est spécial quand même donner le défi à quelqu'un qui n'est pas du gaming. Mais ça me tente de lancer le défi à 7 personnes. Mais c'est injuste. Peut-être, mais ce n'est pas. Parce que le jeu que j'ai choisi, que je vais parler plus tard, est accessible pour tous. Puis même, quelqu'un qui n'est pas du gaming peut y jouer sans problème. J'ai hâte d'entendre ça. Mais je vais vous dire à partir de quelle lettre ça commence. Ce n'est pas une chaîne de multigaming. Alors, ça commence par S. Je l'ai dit que c'est pas une chaîne de multigaming. La personne que tu penses est une chaîne de multigaming. Ouais, on va dire cela. La personne que j'ai choisie, il y en a 3, mais la personne en particulier que j'ai choisie se nomme Tuxeny. C'est vraiment pas lui que je pense, ça c'est sûr. Tuxeny, je te lance ce défi, en particulier à toi. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas accomplir. J'ai vraiment hâte de voir. Sinon, les deux autres youtubeurs que j'ai choisis, ils sont pas obligés de le faire, mais ça serait bien qu'ils le fassent. J'ai nommé, là, t'as raison, Gollum Steelers et Adredem. Je vous lance tous les deux le défi, si vous le voulez, bien sûr. Mais pour toi, Tuxeny, je te lance le défi. Et il faudra que tu le filmes. Maintenant, parlons du jeu. Le jeu est 100% gratuit. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous n'avez pas besoin d'une grosse carte graphique. Même votre carte graphique de base peut faire l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'installer le jeu et vous n'avez même pas besoin d'internet. C'est pas formidable un jeu que vous pouvez jouer en tout temps. C'est gratuit. Ce jeu, je ne sais pas s'il est connu. Ce jeu, je ne sais pas s'il a un nom à la base. Je ne sais même pas si ça a un nom. Mais c'est un jeu de dinosaures. Eh oui, un jeu de dinosaures. C'est étrange. Mais c'est la vérité. Un jeu gratuit. Difficile, je vous le dis, c'est un jeu difficile. Un jeu dont je ne sais pas si le monde le connaît, ou le monde s'en préoccupe pas du tout, ou le sache pas, peu importe. Et j'ai nommé le jeu Aucune connexion Internet. Ce n'est pas un jeu, c'est juste que t'as pas d'Internet. Peut-être. Il me semble que j'avais dit que ça prenait pas d'Internet, hein. Ben oui, mais ça c'est pas un jeu. Mais ça, c'est juste pour te dire que tu n'as pas d'internet. Je sais. C'est que j'ai désactivé mon internet volontairement, ouais. Parce que ceci cache un secret. Un secret bien caché. Ce dinosaure, quand je parle de dinosaure, c'est ça. Ce dinosaure est un jeu. Ha ha, un petit clic, mais ça fait rien. Oui, je clique volontairement. Ça ne fait pas grand-chose. Si vous voyez ce message, ça veut dire que vous n'avez plus d'internet. C'est très normal, mais ce que vous savez peut-être pas, peut-être vous le savez, mais que vous savez peut-être pas, ça casse un jeu. Vous avez juste à faire espace ou les flèches. Pour partir. Oh, oh! Non, mais c'est quoi ce jeu-là? Et voilà, bon, là, on s'entend que je vais juste vous montrer. Et oui, ceci c'est un jeu.
avec un pointage qui est ici. Bon, Gojo, tu peux partir maintenant. On se reverra. Vous avez besoin de les flèches. Et ce jeu peut se jouer. En plus d'être gratuit puis pas prendre l'internet, ça vous prend absolument Chrome. Mais vous pouvez le jouer sur tout appareil. Que ce soit ordinateur, tablette, cellulaire, sur tout ce que vous voulez. Là, en ce moment, je suis sur mon ordinateur, tout simplement. Et commençons. Flèche en haut, flèche en bas. Flèche en haut. Et voilà, c'est si simple que cela. Eh ouais. Un jeu si simple que ça. Donc, je suis sûr que... Il y en a peut-être du monde qui l'ont... Ils sachent, exemple... par hasard. Ça se peut, là, qu'il y ait du monde qui l'ait découvert par hasard. Ouh. C'est pas facile. Ah! 360. On va se faire ceci. 4 parties. Et on prend le meilleur des 4. Puis vous essayerez de faire plus haut que moi. Ça, c'était ma première. Maintenant, ma deuxième partie. Ouais, on va dire. Je vais le prendre directement sur mon ordinateur et non sur mon clavier Bluetooth. Ça va être plus facile. Du moins en théorie. Sachez que... Il y a des oiseaux. Puis... Pas juste des oiseaux. Oui, juste des oiseaux. Mais... Vous allez le découvrir. La concentration au maximum. On voit ça. Oh, les oiseaux. Ouh. Ouh. Ah, c'est comme si c'était pas facile, hein. Oh, la nuit, yeah! C'est pas évident. Et je suis retourné le jour. Ah! Ah! Non! Ça, c'est mon troisième. Mais le 43, à date, mon record. Une dernière chance. J'étais la nuit. On peut dire que j'étais aussi la nuit. Une ou deux fois, j'en suis vu. J'en suis vu deux fois. C'est pas évident quand même, comme jeu. Quand je vous dis que c'est pas facile... Quand je vous dis que c'est pas facile, vous pouvez le voir comme ça. Je suis curieux de savoir quel jeu que vous pensez que ça serait pour le fun. Est-ce que vous pensez que ça serait un gros jeu? Ou un autre jeu plus connu? Je sais pas. J'aimerais savoir pour le fun quel jeu que vous pensiez. Non! Bon, 642 pour cette fois-ci, mon record c'est de 1043. Mais pour vrai, j'aimerais savoir de quel jeu que vous pensiez que ça aurait été. Est-ce que vous pensez que c'était ce jeu-là? Je pense pas. On sait jamais, par contre. Mais sinon, de quel jeu que vous pensiez que j'aurais joué? Pour le fun, j'aimerais ça le savoir. Et ça termine cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Comme que je l'ai dit au début de la vidéo, toute cette année, je te lance le défi de battre 1043. C'est un défi facile, quand même. On peut le dire, c'est un défi quand même assez facile. J'avoue que je pense que je me suis déjà rendu plus loin que ça. Je pense que je me suis déjà rendu à 2000. Mais je suis pas sûr. Mais, on peut pas le dire ça, le 2000, parce que en vidéo, j'ai 7043. Quand la dernière fois que j'y ai joué, c'est il y a quelques mois.
plusieurs mois. Pas quelques, mais plusieurs mois. On s'entend que c'est équitable. Même si j'ai déjà joué, c'est équitable. Et bien évidemment, je lance aussi le défi à Steelers et à Droden. Ça serait vraiment un fun qui relève mon défi. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur la bannière de ma chaîne YouTube, dont aussi mon serveur Discord est à la même place que dont tout le monde est le bienvenu. J'ai tellement dit bizarrement. Je vais vous le dire vite. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'attends ta vidéo avec impatience, en plus. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.